Il est déjà 16h30. 16h30, oui. OK. Alors, bonjour, bonsoir, selon votre situation géographique. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la semaine mondiale dédiée à l'évaluation, la GEL locale, une initiative de CLIA, Center for Learning on Evaluation and Results, et le groupe thématique évaluateur émergent de l'Association sénégalaise d'évaluation a aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Abdul Aziz Kane. Monsieur Abdul Aziz Kane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bienvenue, chers participants, à cette séance de formation pratique sur la mise en place d'un système d'évaluation, d'un système de suivi et évaluation, qui va être donc présenté par Monsieur Abdul Aziz Kane. Monsieur Kane est formateur consultant en planification, gestion, suivi et évaluation de projets et programmes. Monsieur Kane est également enseignant associé au Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAC, et à l'École supérieure d'économie appliquée. Monsieur Kane est ancien membre du conseil d'administration de l'Association africaine d'évaluation. Monsieur Kane est aussi membre du réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation. Et Monsieur Kane est coordonnateur du comité de veille et d'orientation de l'Association internationale des diplômés de l'Université Alexandrie, l'Université Senghor d'Alexandrie, section Sénégal. Et actuellement, Monsieur Kane est le président de l'Association sénégalaise d'évaluation, la CENEVA. J'espère que je n'ai pas omis des points importants de cette présentation, monsieur le formateur. Merci Ibrahima, je pense que la présentation est fidèle. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kane, donc, comme nous venons de le dire, il est le président de l'Association sénégalaise d'évaluation. Sa passion pour l'évaluation, sa disponibilité et son engagement à promouvoir la culture et la pratique évaluative justifie la flexibilité concrétisée par l'acceptation généreuse à dispenser aujourd'hui cette formation. Je pense donc, M. Kane, si tout est en place, nous n'allons pas, outre mesure, abuser de ce temps parce que les participants sont impatients de vous entendre dérouler votre présentation. Très bien, je vous remercie. Donc, je vais solliciter votre patience pour que je puisse partager l'écran. Il y a un participant qui partage l'écran, c'est certainement Lamine. Voilà, merci beaucoup. On profite de l'occasion pour encourager tous les participants à adhérer à Seneval, n'est-ce pas? Notre président et Ibrahima Diouf vont certainement renouveler cet appel. Nous avons besoin de votre contribution et de votre participation. Merci. Merci Yann, merci. Comme l'a dit ce matin, je pense, Boubacar Aou, Yann fait un plaidoyer et le marketing en faveur de son association, aussi bien en présentiel que en virtuel. Merci de ta présence et de ta constante sollicitude. Donc, je vais donc partager avec vous cette thématique à laquelle le groupe thématique évaluateur émergent m'a convié. Donc, une formation pratique pour la mise en place d'un système de suivi et évaluation. Je n'ai pas la prétention d'entrer en profondeur dans cette question, mais je pense que nous allons donc voir quels sont les éléments, quelles sont les pistes qui pourraient être partagées et sur lesquelles certainement vous aurez à apporter des approfondissements. Je pense que
parmi les participants qui sont présents pour cette formation. Je voudrais donc réitérer ma disponibilité et demander votre compréhension et votre indulgence. Certainement qu'il y a d'autres personnes qui sont ici, qui participent à cette formation et qui ont des connaissances pointues sur les différentes étapes de ce processus de mise en place. Donc, sans plus tarder, nous allons donc partager mon plan de présentation. C'est d'abord de décliner les objets. Avant de partager le plan de présentation, je voudrais donc dire que ma présentation prendra certainement 30 à 45 minutes, grand maximum, n'est-ce pas? Et ensuite, nous aurons l'occasion d'échanger à travers les questions, les suggestions ou les contributions que les participants pourront apporter après ma présentation. Donc, les objectifs et les limites de cette session. Ensuite, les concepts et les constats qui sont liés au suivi et à l'évaluation. Les spécificités du dispositif de suivi-évaluation qui tiendront compte d'un certain nombre de paramètres qui sont liés à la nature des acteurs, n'est-ce pas, au contexte. Et enfin, les principales étapes clés que je souhaiterais partager avec vous pour la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation. Alors, au-delà de la consolidation des acquis théoriques, il s'agira au cours de cette session de partager une démarche et une expérience pratique de concevoir et de dérouler un plan pertinent de suivi et évaluation. Et la présente session entre, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur du groupe thématique, entre dans le cadre de la promotion des évaluateurs émergents pour faciliter leur cheminement sur la voie de la professionnalisation. Je voudrais saisir cette opportunité pour marquer vraiment toute notre admiration et toute notre adhésion au dynamisme de ce groupe thématique qui nous apporte beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur dans la trajectoire de la professionnalisation, tant individuelle que collective. Alors, il s'agit donc de mettre à la disposition des participants un certain nombre d'outils pour concevoir et dérouler un plan pertinent de suivi-évaluation pour plus de performance dans les interventions. Cependant, il faudra convenir avec moi que le contexte de la conception et de la mise en place du système de suivi et d'évaluation s'apprécie en fonction de l'échelle de l'organisation qui est ciblée. Je pense que la rencontre que nous avons hier, toujours sous la houlette du groupe thématique, à travers les regards croisés, nous ont permis, n'est-ce pas, de partager les démarches et un certain nombre d'outils de suivi et évaluation à travers donc, une ONG locale, une ONG internationale, une organisation intergouvernementale, un ministère, une institution financière et même une agence du système des Nations Unies. Donc, les modalités, la conception et la mise en place de ce système de suivi-évaluation tiendra compte de la nature et de la qualité de l'organisation qui est ciblée. Ce que je vais proposer entrera certainement dans le cadre d'une organisation non gouvernementale. Alors, le suivi et l'évaluation s'appuient sur le cadre logique qui est élaboré durant la phase de planification à travers un plan de suivi et d'évaluation qui est appelé souvent matrice de planification du suivi et de l'évaluation. N'oublions pas que c'est à partir du cadre logique que tous les paramètres concernant le suivi et l'évaluation sont élaborés. Nous en reparlerons tout à l'heure. Ce plan donc s'élabore sur la base des éléments de la matrice du cadre logique et vise à définir les exigences en matière, les exigences clés et importantes en matière d'information pour chaque indicateur, n'est-ce pas, au niveau des indicateurs objectivement vérifiables. Nous pouvons effectivement avoir, disons, un aperçu, n'est-ce pas, de comment le projet va être suivi et comment il va être évalué. Il s'agit donc, pour ce cadre logique, c'est un outil crucial pour la planification
mais également pour la gestion de la collecte, de l'analyse et de l'utilisation des données en vue d'obtenir les informations qui serviront aux décideurs. Qu'entend-on par le suivi? Je ne vais pas m'étendre trop sur les concepts de suivi et évaluation, mais nous allons quand même partager un peu les définitions et un certain nombre de caractéristiques. Le suivi consiste à collecter et à analyser systématiquement l'information pour suivre les progrès réalisés par rapport à la planification initiale. Tout à l'heure, Boubacar Aou, dans sa présentation concernant l'évaluation des politiques publiques au niveau des parlementaires, a présenté une photo qui représente une caméra et un appareil photo. Je pense que Mme Diana Badiaye a eu à répondre à son interpellation. Donc, le suivi permet d'identifier quelles sont les tendances et les schémas qui se dessinent et d'adapter les stratégies et de guider la prise de décision relative à la gestion du programme ou du projet. Alors, quelques types de suivi, le suivi des résultats axé sur donc, les effets et l'impact du projet, le suivi du processus des activités, comment ces activités sont exécutées en termes d'efficacité, mais leur efficacité en termes de respect, mais aussi d'utilisation des ressources, notamment financières. C'est la raison pour laquelle il y a donc ce link entre le suivi du processus, c'est-à-dire le suivi des activités et le suivi financier. Le suivi également du contexte, n'est-ce pas, le suivi de la situation, dans le cadre logique, cette colonne relative à aux hypothèses de réalisation de conditions critiques, les hypothèses et les facteurs exogènes qui peuvent compromettre la réalisation du projet, mais également les imprévus, ces hypothèses et facteurs exogènes sur lesquels le gestionnaire du projet n'a absolument aucune emprise. On appellerait souvent même le contexte à connaître. Donc, ce contexte doit être suivi et je pense que nous avons aujourd'hui une illustration pertinente de l'évolution de ce contexte qui aujourd'hui affecte la réalisation de plusieurs projets et autres programmes à travers le monde. Et enfin, le suivi des bénéficiaires, quelle est la perception que les bénéficiaires ont, quelle est la perception des bénéficiaires ont de ce projet de programme, notamment leur participation, la manière par laquelle ils sont traités, comment ils accèdent aux ressources et quels sont les changements qui sont apportés, n'est-ce pas, du fait de la mise en œuvre des projets et programmes en tant qu'éléments pouvant apporter un changement dans leur mode de vie après la phase exécution. Le suivi des bénéficiaires, ça a été, je pense, une des thématiques que notre partenaire ID Insight a eu à développer hier ou avant-hier. Alors, dans la mesure du possible, il est recommandé que le suivi soit participatif, c'est-à-dire qu'il convienne d'associer les parties prenantes clés, ce qui non seulement réduit les coûts, mais également favorise la compréhension et l'appropriation. C'est ici que, effectivement, le suivi des bénéficiaires a une importance capitale parce que c'est en impliquant les bénéficiaires au début, au moment de la conception du projet, en les impliquant dans le processus de suivi et d'évaluation, que l'on facilite leur compréhension, mais surtout leur appropriation. Parce que le changement attendu, ce sera au niveau de ces parties prenantes clés. Alors, une différence fondamentale entre le suivi et l'évaluation est constituée par les priorités sur lesquelles chacun est axé. Le suivi tend à se concentrer sur la manière, sur la mise en œuvre opérationnelle, alors que l'évaluation porte principalement sur les effets ou l'impact de la mise en œuvre. Le suivi, donc, et l'évaluation sont étroitement liés, car le suivi fournit des informations qui peuvent également servir aux évaluations. On dit que ce sont des informations tirées du suivi qui alimentent l'évaluation. Par conséquent, il est recommandé, fortement recommandé d'ailleurs, de planifier ces deux fonctions primordiales dans le cadre d'un système de suivi et d'évaluation cohérent et global.
Alors, vous avez ici un schéma qui décrit les relations entre le suivi et l'évaluation, ce que nous avons décrit tout à l'heure, la relation entre le suivi, qui constitue une collecte de données, et dont les informations permettent d'apporter un certain nombre d'actions correctives au niveau opérationnel. Et les informations que nous avons obtenues de ce suivi peuvent être stockées et vont servir à l'évaluation. Ces informations provenant du suivi, combinées avec d'autres informations provenant d'autres sources, qui peuvent être analysées dans le cadre de l'évaluation et qui vont permettre soit de confirmer ou de modifier les objectifs, les ressources du processus de mise en œuvre du projet. Qu'entend-on par évaluation? Selon le comité d'aide au développement de l'OCDE, l'évaluation est définie comme une appréciation systématique et objective d'un projet ou d'un programme ou d'une politique en cours ou achevé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Et le but de l'évaluation, c'est de déterminer la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'impact et la durabilité ou viabilité. Une évaluation devrait donc fournir des informations crédibles et utiles permettant d'intégrer les leçons de l'expérience dans le processus de décision. On parle ici donc d'informations crédibles et utiles qui vont effectivement permettre de voir quelles sont les leçons que nous tirons de l'expérience et comment elles peuvent être inscrites dans le processus de décision. Il faut préciser ici que le réseau du comité d'aide au développement de l'OCDE sur l'évaluation a récemment présenté des définitions révisées des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de viabilité et a proposé un nouveau critère de cohérence. Je pense que ce processus a pris fin, je pense, entre le mois de novembre et le mois de décembre 2019. Alors, les principaux types d'évaluation, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que nous le partageons tous. C'est les trois types d'évaluation ex ante, au moment de la conception, à mi-parcours au cours de l'exécution du projet, et évaluation ex poste, rétrospective, qui marque la fin de l'exécution du projet, et prospective, qui est équivalent à l'impact, à l'évaluation d'impact, qui est fait quelques années après la fin de l'exécution du projet. Alors, quelques remarques préliminaires avant de présenter les différentes étapes du processus de mise en place du système de suivi d'évaluation. D'abord, de préciser que les étapes de suivi de l'évaluation sont interconnectées et devraient être considérées comme les éléments d'un système de renforcement mutuel du suivi et de l'évaluation. Le suivi et l'évaluation sont différents, mais ils sont complémentaires, donc interconnectés. La planification du suivi de l'évaluation devait donc être assurée par ceux qui utilisent l'information. Il est évident, effectivement, que l'information qui est utilisée partira du suivi et de l'évaluation planifiée. Commencez donc par planifier le système de suivi et d'évaluation immédiate, aussitôt après la phase de conception du projet, du programme. C'est à ce niveau-là qu'on a effectivement une meilleure appréhension de l'importance du suivi et de l'évaluation dans le processus de préparation, mais aussi de mise en œuvre du projet. Une attention toute particulière devrait être accordée aux intérêts et aux attentes des parties prenantes tout au long du processus de suivi et de l'évaluation. Il est important au moment de la conception du projet, effectivement, que l'analyse des parties prenantes, n'est-ce pas, puisse décliner quelles sont les caractéristiques de ces parties prenantes, quelles sont leurs attentes, et surtout quel est le poids de
de ces parties prenantes dans le processus et quelles transactions, n'est-ce pas, le projet devrait avoir pour tenir compte, n'est-ce pas, des opinions, n'est-ce pas, des positions qui sont adoptées par ces parties prenantes au moment de la conception, mais également au cours du processus et d'exécution du projet. Le suivi évaluation devrait donc être adapté et ajusté à la situation sur le terrain tout au long du cycle du cycle du projet et faire le suivi et l'évaluation de ce qui est nécessaire et suffisant pour la gestion et le compte rendu, n'est-ce pas, éviter ce qu'on appelle le complexe de la moire en collectant des données qui n'auront aucun intérêt pour, n'est-ce pas, suivre le projet, voir comment évolue la mise en œuvre du projet et également quel élément d'information pourrait être utile à l'évaluation. Alors, les principales étapes de mise en place du système, d'abord, déterminer le but et la portée du système de suivi évaluation. Ensuite, planifier la collecte et la gestion des données, deuxième étape. Troisième étape, planifier l'analyse des données. Quatrième étape, planifier le compte rendu et l'utilisation des informations. Cinquième étape, planifier les ressources nécessaires et le renforcement des capacités. Et enfin, établir le budget. Donc, nous allons dérouler chacune de ces étapes. Alors, la première étape, c'est d'abord de déterminer le but et la portée du système de suivi. Pour cela, il faudra d'abord examiner la conception opérationnelle du projet, du programme, à travers le cadre logique. Effectivement, le but et la portée du système de suivi d'évaluation sont définis par la réponse à la question de savoir pourquoi avons-nous besoin du suivi et de l'évaluation et à quel point le suivi et l'évaluation doivent être complets. N'est-ce pas? C'est la question qui, effectivement, donne une importance capitale au système de suivi et d'évaluation. Il est souvent donc préférable d'établir une combinaison d'indicateurs standards, mais aussi d'indicateurs spécifiquement conçus pour le contexte local. Le deuxième élément de cette première étape, c'est de définir les besoins et les attentes des parties prenantes clés en matière d'information. Planifier le système de suivi d'évaluation en fonction des besoins et des attentes des parties prenantes contribue à assurer la compréhension, l'appropriation et l'utilisation de l'information issue du suivi et de l'évaluation. En fait, si on se rappelle, nous avions parlé tout à l'heure du cadre d'analyse des parties prenantes, n'est-ce pas, qui nous permet effectivement d'apprécier quelles sont les attentes et quelles sont les transactions que le projet devrait faire pour impliquer ces parties prenantes et tenir compte, n'est-ce pas, de leurs besoins et de leurs attentes au moment de la conception du projet. Le troisième élément de cette première étape, c'est de recenser quelles sont les exigences en matière de suivi et d'évaluation. Des besoins importants en matière d'information appellent une attention toute particulière pour ce qui découle. Les besoins importants en matière d'information appellent une attention particulière et ce sont ceux qui découlent des lignes directrices et des exigences des partenaires, mais également d'un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires et des normes qui sont internationalement reconnues. On peut évoquer les normes établies par le système des Nations Unies, les normes AFREA, etc. Le quatrième élément, c'est la définition des principales manifestations et activités de surévaluation. La portée du système de surévaluation, elle se réfère à son échelle, mais surtout à son niveau de détail. Parce que le système qui peut être élaboré peut être complexe s'il comprend des activités diverses
et requiert des compétences et des ressources considérables. Ou bien, il peut être relativement simple et s'appuyer sur les ressources et les capacités internes. Nous avons fait allusion tout à l'heure à la catégorie d'acteurs, n'est-ce pas, auprès de qui le système de suivi-évaluation pourrait être élaboré et qui tiendrait compte, effectivement, de la nature de ces acteurs, mais également de la complexité des projets et des programmes. La deuxième étape, c'est la planification de la collecte et la gestion des données. C'est une étape qui est extrêmement importante parce que c'est au cours de cette étape qu'est élaboré le plan de suivi et d'évaluation. Ce plan de suivi et d'évaluation, c'est un tableau qui va s'appuyer sur le cadre logique pour détailler les exigences clés en matière de suivi et d'évaluation pour chaque indicateur et chaque hypothèse. Et ce tableau résume les informations sur les indicateurs, ce qu'on appellera le cadre de mesure. Enfin, en effet, il y aura une définition détaillée des données. Quelles sont les sources, n'est-ce pas, à partir desquelles ces données ont été établies? Quelles sont les méthodes de collecte de données? Le calendrier de la collecte de ces données? Quelles sont les personnes qui sont responsables? Et quel est le public ciblé? Et enfin, quelle utilisation sera faite de ces données? Et qui va transmettre ces données? Qui aura la responsabilité de les transmettre? Nous avons ici une description du cadre de mesure. Le deuxième élément de la planification de la collecte et de la gestion des données, c'est de déterminer s'il existe des données secondaires. En effet, une considération importante en ce qui concerne les sources de données, c'est la disponibilité des données secondaires fiables, n'est-ce pas? Ces données permettent, n'est-ce pas, constituent un raccourci, n'est-ce pas, qui permettent de disposer d'informations qui sont importantes. Donc, ces données secondaires ne sont pas collectées dans le cadre du projet, mais elles répondent néanmoins à ces besoins en information. Au contraire, en revanche, les données primaires sont recueillies directement dans le cadre de l'intervention. Alors, il faudra à ce niveau établir un équilibre entre les données quantitatives et les données qualitatives. Les données quantitatives sont souvent considérées comme plus objectives et moins biaisées que les données qualitatives, et il est souvent recommandé d'adopter une méthode mixte qui exploite les avantages de ces deux approches, les données quantitatives mesurant ce qui est arrivé, effectivement, qu'est-ce qui est constaté, et les données qualitatives examinant comment et pourquoi cela est. Donc, en général, c'est une démarche qui consistera à adopter une méthode mixte qui est recommandée ici parce que exploitant les avantages de ces deux approches. Le quatrième élément, c'est la triangulation donc, des ressources et des méthodes de collecte des données. Et cette triangulation va consister à utiliser les différentes sources ou méthodes pour collecter les données. Alors, associer donc différentes sources et méthodes, c'est les méthodes mixtes auxquelles nous avons fait allusion tout à l'heure, permet donc de croiser les données et de réduire les biais. Parce qu'effectivement, en utilisant les données qualitatives, un certain nombre de biais pourraient être constatés. Et croiser ces données permettra de réduire donc ces biais afin de garantir la viabilité et la fiabilité et l'exhaustivité des données. Ce processus va accroître la crédibilité si une information résultante est mise en doute. Le fait d'utiliser, n'est-ce pas, d'associer ces différentes sources et méthodes en combinant les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Ensuite, il faudra définir les critères d'échantillonnage. L'échantillon étant un ensemble d'une population entière sélectionnée pour être étudiée et pour tirer les conclusions sur la population dans un
dans son ensemble. L'échantillonnage est utilisé pour économiser du temps et de l'argent en collectant des données à partir d'un sous-groupe pour en tirer des généralisations sur l'ensemble de la population. L'échantillonnage devant être assez représentatif pour que les données collectées et les informations qui pourraient en tirer, n'est-ce pas, puissent effectivement servir de généralisation sur l'ensemble de la population. Au cours de ce processus d'échantillonnage, il est question de déterminer quelle est la méthode d'échantillonnage appropriée, soit l'échantillon aléatoire ou bien l'échantillon par choix raisonné. Là, ce sont des éléments qui sont assez techniques et qui font appel à des connaissances en matière de statistique, d'économétrie. Et il est fortement recommandé, n'est-ce pas, à ce stade-là, en tout cas, de consulter, n'est-ce pas, un technicien expérimenté d'échantillonnage. C'est un élément très important dans l'équipe, n'est-ce pas, qui mène la mission d'évaluation, surtout à ce stade de collecte des données. Toujours au cours de cette deuxième étape, il faudra élaborer donc des enquêtes. Ces enquêtes étant une méthode ordinaire de collecte de données pour le suivi et l'évaluation. Alors, quelle que soit la méthode d'enquête qui est utilisée, soit c'est une méthode semi-structurée ou structurée, descriptive ou comparative, il est essentiel de comprendre comment elle affecte la façon dont les tailles d'échantillons sont calculées. Effectivement, le choix de la méthode d'enquête va avoir une incidence effectivement sur le calcul des tailles d'échantillons. Septième élément de cette étape de planification de collecte et de gestion de données, c'est l'élaboration des méthodes ou des outils spécifiques de collecte de données. La meilleure pratique de préparation de méthodes et d'outils de collecte de données dépendront en dernière analyse de la méthode qui sera choisie ou de l'outil spécifique qui sera choisi. Il est recommandé ici, n'est-ce pas, d'élaborer d'abord des lignes directrices relatives à cette collecte des données. Alors, ces lignes directrices, n'est-ce pas, c'est ce qui permet de garantir une certaine harmonisation, n'est-ce pas, et une cohérence et une fiabilité tout au long du processus du projet, du processus d'exécution du projet. Il est également important de tester à l'avance les outils de collecte de données, parce que cela permet de détecter s'il y a un certain nombre d'erreurs, n'est-ce pas, si un certain nombre de problèmes ne pourront être identifiés qu'au cours, n'est-ce pas, de cette étape de test, n'est-ce pas, donc anticiper sur un certain nombre d'erreurs qui ne devraient pas être effectivement décelées au moment de l'administration, n'est-ce pas, de ces outils. Et les personnes qui auront en charge la collecte de données devront être formées, n'est-ce pas, à la connaissance et à l'utilisation de ces méthodes ou outils spécifiques. Et il faudra aussi répondre aux questions d'ordre éthique. Quelles sont les attitudes prudentielles qui seront prises en matière d'autorisation, mais également en matière d'attitude et de comportement de gestuel, n'est-ce pas, auprès des personnes auprès de qui ces outils seront utilisés, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait ce sentiment de frustration auprès des populations. Je pense que ce sont des choses qu'il faut éviter. Par ailleurs même, on pourrait effectivement procéder à une traduction de ces outils, de ces méthodes, n'est-ce pas, pour éviter, n'est-ce pas, des incompréhensions ou bien des faux amis, n'est-ce pas, l'administration de ces outils. Ensuite, il est important d'établir un mécanisme de prise en compte des réclamations
effectivement, il est important de reconnaître que parfois, il y a des réclamations et des remontées d'informations qui peuvent être externes ou internes, qui peuvent également être positives ou négatives. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de méthode unique de prise en compte de ces observations, de ces réclamations. Et la manière de communiquer et de traiter les réclamations ou remontées d'informations, elle va varier selon le contexte culturel, selon les cultures communautaires ou bien les cultures de l'organisation. Ensuite, il faudra donc procéder à la planification et à la gestion de ces données. Ces données sont appelées à être gérées, et la gestion de ces données fait référence au processus et au système que le projet ou le programme utilise pour stocker ou gérer les données de suivi et d'évaluation de manière systématique et fiable, ainsi que pour y accéder. La gestion de ces données, c'est une composante essentielle du système de suivi et d'évaluation qui relie la collecte des données, mais également leur analyse et leur utilisation. Alors, une mauvaise gestion de ces données peut entraîner effectivement des pertes de temps, d'argent et de ressources. Et les données qui sont perdues ou qui sont mal enregistrées ont une incidence non seulement sur la qualité et la fiabilité des données, mais également sur le temps et les ressources qui ont été investies dans leur analyse et leur utilisation. Et n'oublions pas que c'est la gestion, n'est-ce pas, de ces données qui devrait en principe faciliter l'analyse de ces données et la mise à disposition d'informations pour faciliter la prise de la bonne décision. Alors, cette considération doit être prise en compte dans la planification de ce système de gestion des données. D'abord, c'est le format des données, n'est-ce pas? Quel est le format qu'on peut donner à ces données? C'est soit des formats numériques ou bien des formats descriptifs ou virtuels ou bien c'est des formats audio. En tout état de cause, le format de ces données devrait effectivement avoir une incidence sur comment ces données sont organisées, n'est-ce pas? Et ces données organisées en catégories logiques et qui sont faciles également à comprendre afin d'en améliorer l'accès et l'utilisation, n'est-ce pas, à destination des populations cibles. Également, la disponibilité de ces données. La disponibilité de ces données, doivent être accessibles, n'est-ce pas, et par les utilisateurs privés, mais également protégées contre toute exploitation non autorisée. Ces données également, on doit assurer également une sécurité de ces données et également tenir compte des considérations juridiques liées à la nature de ces données, n'est-ce pas? Il est important qu'on apporte une attention particulière à la sécurité des données qui parfois sont des données confidentielles, n'est-ce pas? Et pour lesquelles on devrait faire en sorte que n'importe qui ne puisse avoir accès à ces données. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication effectivement, sont très utilisées aujourd'hui pour faciliter le stockage et la sécurisation de ces données. Aujourd'hui, cette technologie de l'information permet de systématiser l'enregistrement, le stockage et l'utilisation de ces données. Et également en matière de contrôle de la qualité de ces données, il est important de définir des procédures de vérification et de nettoyage et de mise à jour, n'est-ce pas, de ces données, et désigner enfin quelles sont les personnes qui sont chargées, qui sont les personnes qui sont responsables de la gestion de ces données. C'est une responsabilité qui est extrêmement importante et des profils spécifiques sont requis pour effectivement identifier ces personnes qui auront en charge
la responsabilité de la gestion, le stockage et la protection de ces données. La troisième étape, donc, c'est les données collectées, il faudra maintenant procéder à leur analyse. Et cette analyse, c'est en fait le processus par lequel les données collectées brutes sont transformées en informations utilisables. C'est le traitement ou l'analyse de ces données qui permet effectivement d'obtenir des informations qui doivent être utiles, n'est-ce pas, à leur destinataire. C'est une étape essentielle du processus de planification, du suivi et de l'évaluation, car elle conditionne l'information rapportée et la manière dont cette information devrait être utilisée. L'analyse des données donc devra reposer sur un plan qui est clairement défini, n'est-ce pas? Et les données qui sont analysées et la méthode qui sont utilisées, la méthode qui est utilisée sont en grande partie déterminés par les objectifs et les indicateurs du cadre logique, n'est-ce pas? On revient effectivement à cet outil extrêmement important de planification, mais également en définitive par qui sera donc déterminé par les objectifs et les indicateurs du cadre logique, mais également par le public cible, n'est-ce pas? Les parties prenantes et leurs besoins en information. Il faut ici préciser que pour l'analyse des données, qu'il n'y a pas de recette unique pour l'analyse des données, mais un certain nombre d'étapes peuvent être identifiées. D'abord, la préparation de ces données, n'est-ce pas? La préparation des données qui consiste à convertir les données dans un format qui soit adapté à leur analyse. Ensuite, l'analyse proprement dite de ces données, n'est-ce pas, c'est une analyse qui soit elle est descriptive, soit elle est interprétative. Quoi qu'il en soit, l'analyse des données, si elle est descriptive, elle est axée sur ce qui s'est passé, alors que l'analyse interprétative cherche à expliquer pourquoi cela s'est passé et quelles peuvent en être les causes. Également, la présentation de ces données, comment ces données sont présentées, la présentation de ces données qui permet effectivement de voir comment quelle est la comparaison qu'il faut faire entre les différents formats de présentation de ces données. Et enfin, les recommandations et les mesures qui sont à prendre. Parce que les données sont utilisées comme éléments qui justifient les mesures proposées dans les recommandations et les plans de suivi et évaluation. Il est donc important de justifier les mesures proposées en établissant un lien de causalité entre les données probantes et les recommandations. Et pour garantir la bonne formulation des recommandations et des mesures, il est essentiel de bien comprendre quelle est la relation qui existe entre ces données et les produits, mais également les constatations et les conclusions qui seront issues de l'analyse de ces données et de bien utiliser chacun de ces étapes. Quatrième étape, c'est les données qui ont été traitées nous permettent d'obtenir les informations, comment rendre compte et comment ces informations vont être utilisées. C'est un élément particulièrement important dans la planification des rapports, c'est la distinction entre les rapports à usage interne et les rapports à usage externe. Les rapports à usage interne sont élaborés pour améliorer la mise en œuvre du projet du programme et ils jouent un rôle crucial dans l'apprentissage et la prise de décision. Et en dernière analyse, ils sont très utiles pour définir ce qui peut être communiqué à l'extérieur. On parlait tout à l'heure de la protection
n'est-ce pas, d'un certain nombre de données qui doivent être exploitées au niveau interne ou bien au niveau externe. Les rapports à usage externe sont élaborés pour informer les parties prenantes hors de l'équipe du projet, programme, pour l'organisation de mise en œuvre, et constituent un élément important de redevabilité. Effectivement, ce sont des éléments qui entrent dans cette exigence de rendre compte, n'est-ce pas, de ce qui a été fait au cours de l'exécution. Alors, une fois donc que le public à qui ces informations sont destinées, le but, pourquoi, et le moment ont été définis, il est important de déterminer quel est le format des rapports le plus adapté à l'utilisateur ou aux utilisateurs qui sont. L'objectif global donc, du système de suivi évaluation, c'est de fournir des informations utiles. Par conséquent, l'utilisation des informations ne doit pas être une réflexion après coup, mais un aspect central de la planification. Et le choix du moyen le plus approprié pour rendre compte devrait être guidé par ce qui est le plus efficace du point de vue du temps et des ressources employées, mais également le mieux adapté au public cible. Et la sécurité des informations confidentielles ou à usage interne également constitue une autre considération. Alors, la cinquième étape, c'est de la planification des ressources nécessaires et le renforcement des capacités. Effectivement, pour être efficace, le système de surveillance doit être doté d'un personnel compétent. Le plan de suivi d'évaluation définit les responsabilités en matière de collecte de données pour chaque indicateur. Il est important de désigner les personnes qui seront responsables de chaque type de rapport, n'est-ce pas? Nous faisons allusion ici à cette colonne des sources ou moyens de vérification à travers les rapports qui vont être rédigés. Il peut être utile donc de se référer aux discussions sur l'analyse des parties prenantes dans le cadre du suivi d'évaluation, mais aussi sur la planification des activités de suivi d'évaluation afin de guider ce processus, n'est-ce pas, cette planification des activités que nous obtenons, n'est-ce pas, au niveau même, lors même de l'élaboration du cadre logique, n'est-ce pas, au niveau des activités pour lesquelles on identifie les ressources et le période de réalisation et de voir quel est le calendrier quel est le calendrier de mise en œuvre de ces activités en termes de chronogramme et de voir quels sont les indicateurs à ce stade. Toujours au niveau de la planification des ressources humaines, souvent, la participation locale au suivi et à l'évaluation, elle est attendue ou demandée. Et le renforcement des capacités locales nécessaires pour soutenir ce projet est considéré comme l'un des objectifs du programme de projet en termes d'implication, mais également surtout en termes d'appropriation du projet par ces ressources locales. Enfin, la sixième étape, c'est quels sont les éléments relatifs au budget du suivi et de l'évaluation. Le mieux, c'est de commencer à planifier systématiquement le budget du suivi et de l'évaluation au début du processus de conception, afin qu'un financement adéquat soit alloué aux activités de suivi et évaluation. On n'attendra pas la mise en œuvre, on n'attendra pas l'exécution du projet pour dire que voilà ce que nous avions envisagé de faire en termes de suivi des activités, parce que toute activité de suivi, n'est-ce pas, comporte un certain nombre de coûts qu'il faut identifier au moment de la conception du projet, afin que ces coûts, effectivement, puissent être intégrés au budget du projet. Il ne faut pas attendre que le budget entre dans sa phase d'exécution pour dire que je devais réaliser telle ou telle activité de suivi. Ce sont des éléments qu'il faut identifier dès le départ, au moment de la planification opérationnelle du projet. Pour cela, on peut détailler les postes budgétaires du suivi et de l'évaluation.
Si le suivi et l'évaluation ont été planifiés de manière systématique, en précisant quelles sont les étapes clés et les personnes clés, il sera effectivement plus facile de détailler les postes budgétaires, n'est-ce pas? Ensuite, il est souhaitable d'intégrer les coûts du suivi et d'évaluation dans le budget du projet. Et ces coûts qui sont liés au suivi et à l'évaluation devraient être intégrés dans le budget et non imputés aux charges fixes de l'organisation. Sinon, effectivement, on ne peut pas. C'est le coût réel du projet. C'est le budget qui ne pourrait plus refléter les coûts réels du projet, n'est-ce pas, en imputant, n'est-ce pas, ces coûts aux charges fixes de l'organisation. Alors, en règle générale, n'est-ce pas, le budget qui est alloué au suivi et évaluation tourne autour de entre 3% et 10%, n'est-ce pas, un montant assez élevé pour ne pas compromettre la précision et la crédibilité des résultats, sans détourner des ressources du programme au point d'en entraver l'exécution, n'est-ce pas, et au point de compromettre, n'est-ce pas, l'atteinte des objectifs du projet. Donc, ça, c'est donc un tableau synoptique, n'est-ce pas, des éléments du suivi. En fait, j'aurais dû en parler depuis le début en parlant du suivi, qui est extrait du cadre logique, le tableau synoptique du suivi, qui part des résultats qui doivent être obtenus pour atteindre les objectifs du projet. À partir de ces résultats, quelles sont les activités, n'est-ce pas? Quelles sont les activités spécifiques pour le résultat identifié? Quels sont les critères de réalisation? En fait, quels sont les indicateurs en termes de résultats? Et sur la base de ces critères de réalisation, quelles sont les informations à recueillir? Où ces informations pourraient-elles être obtenues? Comment? Sur la base de quel support, de quelle source? Et à qui ces informations devraient être transmises? Et qui doit les transmettre à l'autorité, n'est-ce pas? Pour que, effectivement, ces informations soient mises à disposition de l'autorité afin de faciliter la prise de décision. Donc voilà ce que je voulais donc vous dire. Donc voilà le processus de mise en place de suivi et du système de suivi évaluation que je voulais partager avec vous. Donc, je vous remercie de votre aimable attention et je suis à votre disposition pour les éventuelles contributions, suggestions ou questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Allô? Oui, Ibrahim, oui, je vous écoute. Voilà, merci beaucoup, Président. Je pense que c'est vraiment tout un honneur et un plaisir d'avoir été servi et autant servi par rapport à la mise en place d'un système de suivi et évaluation. Et l'intérêt pour cette présentation se mesure par l'importance des questions écrites, hein, qui ne sont que le reflet, naturellement, des questions que les participants ont à vous poser. Et donc, nous allons tout de suite passer, disons, à un petit résumé de ce qui a été dit. Je sais que ça ne va pas être facile, mais il y a eu d'abord un cadrage conceptuel, qui nous a permis de revenir un peu sur les notions de suivi et d'évaluation et le rapport, hein, les rapports entre le suivi et l'évaluation, mais de faire également une typologie aussi bien du suivi que de l'évaluation. Et ce qu'on peut retenir de façon générale, c'est que le suivi est un film, hein, et c'est le film de l'intervention et l'évaluation, c'est une photo. C'est une photo de l'évaluation. Une photo, maintenant, elle peut être prise au début, elle peut être prise
en cours, comme elle peut être prise tout à fait en fin d'intervention. Et la photo a essentiellement pour objectif, n'est-ce pas, de nous permettre de mieux comprendre, de faire donc un apprentissage. Et c'est à ce titre donc que vraiment les remarques qui ont été faites sont assez pertinentes, hein, pour parler d'une interconnexion entre le suivi et l'évaluation, parce que le suivi alimente un peu le processus d'évaluation. Maintenant, par rapport aux principales étapes de la mise en place d'un système de suivi-évaluation, les 6 étapes ont été détaillées et je pense qu'à ce niveau maintenant, on est tous outillés, n'est-ce pas, pour permettre dans nos différentes structures de pouvoir implémenter, n'est-ce pas, un système de suivi-évaluation qui respecte naturellement ces différentes étapes et qui peut-être même pourrait être approfondie et renforcée à chaque fois que de besoin. Alors, il est évident que c'est une formation, mais que les différents participants, s'ils le désirent, peuvent lever la main pour apporter des contributions par rapport à ce que M. Kan vient de nous présenter. Ou sinon, j'ai répertorié un certain nombre de questions que je peux également délivrer à M. Kan. Il y a donc parmi les interventions, une contribution de Yafa Geifal, hein, vraiment qui a donné quand même une contribution. Voilà, merci Sénéval pour la planification. Après la mise en place d'un plan stratégique, d'autres projets nouveaux ou activités ponctuelles rejoignent en milieu de période l'institution. On se retrouve souvent dans une situation de pilotage à vue où il est difficile de faire un bon suivi du tableau de bord. Alors, en outre, il est difficile d'évaluer un plan stratégique lorsque, par exemple, celui-ci est conçu pour une durée plus ou moins longue et qu'au final, certains aspects seulement sont financés. Là, c'est un partage d'expérience. Donc, Yafa Geifal, merci beaucoup de votre contribution. Je pense que c'est assez enrichissante comme intervention. Alors maintenant, d'autres questions qui sont revenues, c'est est-ce qu'on peut avoir une formation sur l'échantillonnage? Alors, l'AELO, donc le surnom de l'AELO, nous allons étudier cette possibilité naturellement de dérouler une formation sur l'échantillonnage et un peu les outils de collecte de données. Alors, nos amis du Burkina, du Rebus, un petit bonjour. Il y a Achille qui posait la différence entre système de suivi-évaluation, dispositif de suivi-évaluation, matrice de planification de suivi-évaluation et plan de suivi-évaluation. Alors, Nicolas Mbeng également voudrait savoir s'il est possible d'avoir un système unique de suivi évaluation pour plusieurs projets. Hein? Et notre ami Karim Kouda a demandé à quel niveau les parties prenantes peuvent être impliquées, n'est-ce pas, pour mettre en application ce qu'on appelle l'approche participative. Donc, est-ce que M. Kan voudrait bien revenir sur un des aspects? Allô? Allô, oui. Oui, donc j'étais en train de prendre note et puis je bénéficie un peu de l'assistance technique de Lamine Diop. Très bien. Alors, okay. je ne parviens pas à activer le partage d'écran. La conversation. Peut-être que je devrais quitter le partage d'écran. Le partage d'écran, oui. Je devrais quitter le partage d'écran. Oui, vous pouvez quitter le partage d'écran. C'est mieux, oui, comme vous avez déjà présenté. Ah, ça y est. Très bien. Donc, Alors, de l'autre côté, je voudrais signaler également qu'il y a Mme Fatou Ndiaye qui nous est vraiment, depuis la session dernière, d'un appui technique extrêmement utile.
hein, en faisant vivre les sessions sur Facebook, sur LinkedIn. Fatou, un petit coucou à toi, on ne t'a pas oublié. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Mm-hmm. Ok, serait-il faisable? Bon, la formation, sur l'échantillonnage, effectivement, ce sont des aspects qui sont très techniques. Mm-hmm. Et je pense qu'au cours de, lors de ma présentation, effectivement, j'ai insisté sur l'importance d'avoir un profil, le profil requis, n'est-ce pas, en statistique surtout, n'est-ce pas, pour ces questions relatives à l'échantillonnage. Nous avions déjà organisé une session de formation il y a 2 ans, je crois. C'était dans le cadre des activités du groupe thématique méthode quantitative. Mm-hmm. C'est un groupe thématique qui était un peu, disons, entré en léthargie. Mais il y a, nous avons un certain nombre de membres, personnes ressources, Bassem Bobadji, Pape Saïd Koli, qui aujourd'hui, et d'autres personnes ressources, effectivement, qui sont en train de se battre pour au moins reprendre les activités de ce groupe thématique. N'est-ce pas? La personne qui avait en charge ce groupe n'étant plus à Dakar. Alors, des concepts utilisés dans cette présentation. Quelle différence entre, alors, système de suivi, évaluation, dispositif, est-ce que ce n'est pas un problème de vocabulaire plutôt, n'est-ce pas, pour exprimer le système de suivi, évaluation de manière différenciée, n'est-ce pas? Alors, les slides, effectivement, je pense que les dispositions seront prises pour qu'ils soient partagés. Alors, un système unique de suivi évaluation pour l'organisation qui prend en compte tous les programmes, cela dépendra de la nature de ce programme et du secteur dans lequel ce programme intervient. Je pense que il y a quand même une certaine spécificité à apporter, n'est-ce pas, à la mise en place d'un système de suivi évaluation pour un projet ou bien pour un programme. Je ne pense pas que et puis effectivement, on puisse avoir un système standard de suivi évaluation pour tous les programmes. Je pense que il faut, et je le dis souvent à mes étudiants, apporter une importance particulière à la contextualisation du projet ou du programme. C'est très important. Tu peux dire un mot, Aziz, plus tard sur ça? Oui, bien sûr. D'accord. Yann. D'accord. Quand tu auras terminé. D'accord. Alors, j'aimerais savoir davantage quel niveau précis les bénéficiaires ont participé au processus de suivi évaluation en termes d'approche participative. Les bénéficiaires, ils sont déjà impliqués au moment de l'identification du projet, n'est-ce pas? Il y a une matrice d'analyse, n'est-ce pas? Une matrice d'analyse des parties prenantes, n'est-ce pas? Qui permet effectivement d'impliquer les bénéficiaires ou le groupe cible au moment même de la conception du projet, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on parle de démarche participative et inclusive, n'est-ce pas? Au moment à cette étape de la phase, de cette première étape de la phase de conception, déjà les bénéficiaires ou les groupes cibles sont impliqués dans le cadre de cette démarche participative et inclusive. Alors, ma question, Mamoudou Ndiaye, on parle de plus en plus de gestion et de capitalisation. Dans quelle mesure le prendre en compte dans le suivi et évaluation? Alors, la gestion des connaissances, c'est un peu le processus de mise en place des outils de suivi et d'évaluation. Quelles sont les méthodes qui sont utilisées, quel résultat a été obtenu, quelles sont les leçons, c'est peut-être en fin de processus de la, mais c'est en fin de processus, n'est-ce pas, de mise en place de ce système de suivi-évaluation, mais la gestion des connaissances, elle devrait être transversale pendant tout ce processus. Qu'est-ce qui a été utilisé comme outil, comment nous avons procédé,
quelles sont les différentes étapes que nous avons franchies, n'est-ce pas, et comment ces résultats, comment les informations comment les données ont été traitées pour obtenir quelles informations. Et ensuite, je pense que ce processus de gestion de connaissances est en fait un apprentissage pour voir qu'est-ce qui a été fait, comment nous avons procédé, quelles leçons nous pouvons en prendre et quelles leçons nous pouvons tirer et comment, disons, documenter tout ce processus-là et de voir maintenant en termes de transmission, en termes de connaissances acquises, mais d'apprentissage qui nous ont permis, n'est-ce pas, d'acquérir un certain nombre de connaissances et de voir comment les capitaliser en vue de leur dissémination. Donc, il y a à intégrer ce processus de gestion des connaissances et il y a également un processus de documentation pour voir maintenant comment les capitaliser, comment les disséminer. Je pense que nous avions déjà, le client avait déjà organisé une session de formation sur effectivement ce processus de gestion de connaissances avec Amos. Je pense que cette formation pourrait certainement être répliquée, n'est-ce pas, pour que une illustration soit apportée à la mise en place de ce processus de suivi et évaluation qui pourrait servir qui pourrait servir effectivement de modèle pour voir comment le processus de gestion des connaissances, de gestion et de capitalisation des connaissances pourrait être intégré dans le plan de suivi et d'évaluation. Merci beaucoup, Président. Je pense que le temps de reprendre un peu de souffle. Voilà, il y a M. Oui. Yann qui... Oui, Yann qui voulait intervenir. Qui voulait intervenir. Mais, comme ça, ça me permettra de prendre connaissance des autres, des autres questions et conversations. Parfaitement. Je dois dire bonjour également à monsieur, au président d'honneur, monsieur Abdoukarim Lo, que j'ai aperçu tantôt. Hein. Voilà, que nous aurions également souhaité entendre sur la question. Monsieur Yann, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais féliciter Aziz pour une belle présentation, très intéressante, et aussi de monsieur Ndiaye Sassila, qui pour le moment n'a pas eu la parole, mais je vois qu'il a des questions et des remarques très pertinentes dans le chat, n'est-ce pas? Donc, M. Silla, félicitations, vous avez soulevé des points très intéressants. Moi, j'avais juste deux points à dire. La première chose, je pense qu'Aziz a mis beaucoup d'accent, évidemment, sur un système de suivi et évaluation dans un projet ou du programme précis, n'est-ce pas? La manière de le concevoir, la manière de le financer, la manière de le mener. Si j'avais un petit commentaire là-dessus, je dirais simplement que la théorie de changement maintenant, c'est un autre instrument qui est pour certains besoins et aux yeux de certaines personnes est mieux adapté que le cadre logique pour assurer une meilleure maîtrise de certaines dimensions de complexité dans les programmes et des projets ces jours-ci. Donc, il y a toute une école et bien sûr, pour les gens qui vont demander, je suppose, le Saint-Léval pourrait faire une orientation sur la théorie de changement. On l'a déjà fait d'ailleurs. Mais ce que je vais ajouter, au-delà de chaque projet de programme, comme certaines personnes ont déjà posé la question, et ils viennent de plusieurs horizons, on est dans une époque maintenant où chaque organisation, ONG, bilatérale, ministère, etc., ils sont appelés à avoir leur système de suivi et évaluation, qui est le cadre global qui oriente l'activité. Bon, au niveau du pays, on parle d'une politique même de suivi et évaluation, mais je parle maintenant de système, n'est-ce pas? C'est l'élément que vous avez dans la structuration de votre organisation qui articule votre démarche en matière de suivi et évaluation, n'est-ce pas? Où vous affirmez les définitions que vous donnez à ces termes, la manière dans laquelle vous allez vous organiser, de manière individuelle, du point de vue de votre politique de contrôle de qualité, des matières de suivi et évaluation, des activités de suivi et évaluation, n'est-ce pas? Votre approche de la dissémination de résultats, si vous allez avoir une dissémination ouverte ou pas, n'est-ce pas? Les budgets que vous allez allouer, etc., globalement, certaines orientations. Donc, il y a un système
qui est un système, et les gens vont vous demander, quand ils vont vous donner l'argent, est-ce que vous avez un système, n'est-ce pas? Et dans ce système, vous allez pouvoir dire, oui, nous avons un responsable, nous avons une base de données, etc., globalement. Donc, je pense qu'il y a, lieu de dire, il y a un autre niveau, au niveau des structures organisationnelles, où le système est beaucoup plus votre manière de vous organiser, financer, comme je disais, assurer une certaine indépendance aussi, une certaine crédibilité, comment vous allez promouvoir l'utilisation, n'est-ce pas, de manière générique, n'est-ce pas. Et après, bien sûr, pour chaque, comme a dit Aziz très bien, chaque projet et chaque programme a ses spécificités, a ses dimensions contextuelles importantes dont il faut tenir compte après dans la conception du système de suivi ou dans l'évaluation, n'est-ce pas. Donc, c'était juste pour essayer de montrer ou d'orienter vers cette dimension additionnelle. Et pour certains qui sont en train de suivre maintenant, c'est peut-être à ce niveau où ils sont confrontés par un certain nombre de questions. Quel est notre système? Vous avez des questions précises concernant tel ou tel projet, peut-être. Mais c'est beaucoup plus comment nous allons nous organiser de manière pérenne, d'année en année, de phase de financement en phase de financement, tout en améliorant notre système de suivi et d'évaluation, n'est-ce pas? Voilà, juste une petite... Un petit ajout à la discussion très riche et nous avons beaucoup de participants. Je m'arrête là. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Oui, allez-y, président. Ah, ok, merci beaucoup. Je voudrais vous présenter mes excuses pour mon retard. J'étais en train de participer à d'autres conférences organisées par l'association sénégalaise des professionnels de santé publique sur la COVID-19. La conférence était animée par l'OMS. Et je profite de l'occasion pour transmettre à Sénéval les remerciements justement de l'association sénégalaise des professionnels de santé publique. Je félicite M. le Président Abdelaziz pour sa présentation, sa clarté et sa pertinence. Je voudrais tout simplement faire une contribution. D'abord sur la question relative au système de suivi-évaluation, sur la nécessité d'avoir plusieurs systèmes quand il y a plusieurs projets et programmes, et également sur la théorie du changement. Quand on parle de système, nous devons comprendre que c'est un ensemble d'éléments interreliés et qui interagissent entre eux. Ça veut dire donc un système est composé, il y a des composantes, il y a des unités. Ça dépend justement de la perspective. Mais si nous considérons le système en nous disant que c'est un ensemble de sous-systèmes pour le suivi et évaluation, on peut distinguer premièrement le sous-système raison d'être. Pourquoi un système de suivi et évaluation? Quel est l'objectif majeur qui justifie la mise en œuvre d'un système de suivi-évaluation? Ça se relève du sous-système raison d'être. Maintenant, vous avez le sous-système structurel. Dans ce sous-système structurel, nous trouvons les unités qui portent justement le sous-système. C'est-à-dire, il y a certainement un comité de pilotage, il y a une unité de suivi-évaluation où l'on trouve un certain nombre d'experts chargés de la collecte des données, du traitement et de la publication de ces données. Ça, c'est un système sous-système structurel. Vous avez un système psychosocial. Le système psychosocial est composé de l'ensemble des parties prenantes, des personnes qui sont concernées par le projet ou le programme. Donc, c'est ce qu'on peut appeler les parties prenantes, où il faut faire justement l'analyse des parties prenantes pour voir dans quelle mesure on peut assurer une bonne participation. Vous avez aussi le sous-système technologique. Le sous-système technologique est composé de la liste des indicateurs, des différents outils de collecte de l'information, n'est-ce pas, et des rapports sur le suivi, etc. Tout cela, on peut considérer que c'est le sous-système technologique. Et maintenant, vous avez le sous-système managérial. Le sous-système managérial, c'est l'équipe qui est maintenant chargée d'animer
le sous-système d'évaluation qui est chargé de prendre les bonnes décisions et d'apporter les correctifs en cas de besoin. Donc, en vérité, tous ces systèmes sont interreliés. À chaque fois qu'il y a une modification, ça va se répercuter sur les autres sous-systèmes. Donc, on peut comprendre le sous-système comme cela. Maintenant, est-ce que dans un programme, on peut avoir un seul système ou plusieurs systèmes de suivi-évaluation? Si on comprend qu'un programme est un ensemble de projets dont les objectifs contribuent à la réalisation de l'objectif global du programme, il me semble qu'on peut mettre ensemble, qu'on peut définir un système de suivi-évaluation pour le programme, mais étant donné que chaque programme contribue à l'atteinte des objectifs du programme, il y aura peut-être ce qu'on peut appeler un sous-système de suivi-évaluation qui est lié à un projet. Parce qu'en fait, les informations que fournissent les projets ne sont pas toujours les mêmes, mais on peut avoir les mêmes outils de collecte. On peut avoir une différence de l'utilisation dans les résultats justement du traitement de ces données, extra, extra. Donc, on peut avoir un seul sous-système s'il s'agit d'un programme, mais évidemment, chaque projet pourrait en quelque sorte être un sous-système de ce système dans la mesure où le projet contribue à l'atteinte des objectifs du programme. De toute façon, je pourrais peut-être en détailler. Maintenant, la tendance aujourd'hui, vous l'avez remarqué, c'est l'élaboration d'une théorie du changement. C'est un concept nouveau parce que dans un passé récent, on se contentait tout simplement d'un cadre logique ou d'un cadre de résultat. Et on élaborait aussi ce qu'on appelle un cadre de mesure de la performance qui est également un outil de suivi-évaluation. Mais aujourd'hui, la théorie du changement est véritablement un outil qu'on élabore au moment même de la planification pour préparer justement le suivi et l'évaluation. Nous le comprenons comme un dispositif qui explique la raison d'être d'un programme ou d'un projet et établit les relations de causalité dans la chaîne de résultats et en mettant en exergue les conditions de mise en œuvre qu'on appelle l'hypothèse et qui relève de l'environnement externe du projet. Aujourd'hui, de plus en plus, la théorie du changement est élaborée parce que cela permet de mieux comprendre un programme, un projet, et de faire en sorte que tout le monde ait la même conception, la même compréhension justement de ce programme ou ce projet et de faciliter également le suivi et l'évaluation. Donc, de plus en plus, on élabore la théorie du changement. Certains même préfèrent élaborer une théorie du changement à la place d'un cadre logique. Mais si vous avez un modèle logique, parce que le modèle logique, c'est tout simplement, disons, la représentation de la théorie du changement. C'est tout simplement un dessin qu'on élabore pour représenter la théorie du changement. Si on avait cet instrument maintenant, effectivement, ça peut faciliter le suivi et l'évaluation parce que dès le départ, on aura défini l'ensemble des changements que l'on souhaite obtenir, les objectifs de façon très smart, n'est-ce pas? Les échéanciers pour mesurer tel ou tel résultat. On a aussi également les cibles qui sont concernées par le projet. Donc, un ensemble d'éléments importants qui justifient en tout cas aujourd'hui l'élaboration d'une théorie du changement avant même de commencer à mettre en œuvre un projet, un programme. Voilà, c'était une contribution. Je vous remercie. Je ne voulais pas être très long, mais en attendant, peut-être de revenir sur une autre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, président. Allô. Allô, oui. Allô. Allô, oui. Allô, oui. Allô. Allô, allô, oui. Allô. Merci beaucoup, président. Il y a M. Boubacar Ba. Oui, merci, président. Merci, modérateur. Donc, c'est la première fois que je participe. C'est un honneur pour moi. Je suis Boubacar Ba.
chef d'antenne au niveau du projet d'appui aux filières agricoles extension à Cafri. Donc, ma contribution, c'est que ce que j'ai constaté au niveau de beaucoup de projets programmes, les gens font du suivi de l'évaluation, mais ils n'ont pas de système en tant que tel. Ou bien, certains confondent le système de surveillance et le système informatique. Certains mettent en place un système informatique, mettent en avant l'aspect informatique, mais ne mettent pas en place, comme l'a développé le président, l'ensemble des outils nécessaires, une combinaison nécessaire entre le suivi et l'évaluation pour la collecte, le stockage, le traitement, la diffusion de l'information en tenant compte des préoccupations des différentes parties prenantes. Nous, dans notre projet, on a une unité de coordination avec plusieurs projets, mais c'est un seul système de surveillance. Mais le système informatique peut utiliser, donc on a utilisé une base de données avec le web, avec une possibilité d'avoir plusieurs projets en même temps dans le système informatique. Mais il y a des cadres logiques différents, des projets différents qui sont suivis, évalués différemment. Mais on essaie de voir les synergies entre ces projets-là, parce que c'est dans un ensemble, comme l'a développé tout à l'heure, un ensemble cohérent donc, pour satisfaire les besoins du programme. Donc, c'est pour réitérer la nécessité d'approfondir pour que les gens ne se mettent pas à collecter des données et ne pas pouvoir les utiliser à bon escient. Qu'ils reviennent à une bonne planification dès le départ, que ce qu'on veut capitaliser, ce qu'on veut avoir comme résultat, que tous les outils dès le départ soient planifiés. On se rend compte aussi que le plus souvent, il y a une portion congrue qu'on alloue aux civilisations en matière de ressources. Et ça ne permet pas souvent aux experts, à l'unité ou bien à la cellule de civilisation de faire correctement son travail avec les différentes parties prenantes. Donc, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ba. Je pense que voilà, c'est assez enrichissant avec vraiment l'intervention de M. Yann, que nous remercions vraiment pour avoir insisté un peu plus sur l'aspect qu'il a évoqué. Il y a aussi l'aspect vraiment évoqué par le président d'honneur M. Aboukarim Lo, qui est revenu un peu sur le système et la définition en tant que telle du système. Et c'est en réponse par rapport à la question qui faisait allusion sur l'unicité, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir un système de suivi évaluation unique pour des projets différents. Et il a beaucoup plus fait allusion, n'est-ce pas, à la notion de la théorie du changement qui, quelquefois même, prend la place, n'est-ce pas, du cadre logique. Et cela nous replonge encore, n'est-ce pas, un peu dans des questions qui sont apparues à travers le chat. Je pense que, Président, tu as eu le temps de parcourir un peu. Oui, Ibrahim, j'ai eu le temps de parcourir. Je voudrais peut-être remercier Yann et le président de l'ONU, Aboukarim. En fait, Aboukarim qui est un peu revenu sur, disons, ce système au sein duquel, n'est-ce pas, qu'il a décomposé, n'est-ce pas, en sous-système, en structurel, psychosocial, etc., mais qui reprend un peu cette déclinaison, n'est-ce pas, que nous avons présentée tout à l'heure, surtout en insistant sur cet aspect psychosocial auquel il fait allusion en ce qui concerne l'analyse des parties prenantes qui sont impliquées dès le début du processus, au moment de la conception, et qui accompagnent tout le processus, parce que même on aura constaté que lors de la mise en place de ce système, que ce sont des éléments, ils constituent en fait des éléments centraux dans le système de collecte dans la collecte des données, n'est-ce pas, dans le traitement et de l'information qui est destinée à ces
à ces parties prenantes, aux bénéficiaires et aux autres acteurs du projet. Je pense que c'est un élément important. Alors, il y a un certain nombre d'interpellations sur la théorie du changement également. Je voulais rappeler à notre doyen Abdelkarim Lo la création de ce concept de modèle logique, soit qui un peu cumule cette théorie de changement et le cadre logique. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons une version du cadre logique axé sur le résultat qui tient compte un peu de cette approche de la gestion axée sur les résultats et dont la configuration un peu a donné un contenu beaucoup plus explicite et beaucoup plus compréhensible, n'est-ce pas, au cadre logique avec les cadres de mesure de rendement, les cadres de mesure de la performance. Alors, il y a un certain nombre d'interpellations sur... il y a eu des contributions, mais il y a eu un certain nombre de questions également sur la différence entre... quelle est la différence entre suivi et contrôle? La différence entre suivi slash évaluation et suivi et évaluation. Je pense que ce sont des échanges que nous avons eus dès le début et qui semblent être partagés par beaucoup de personnes. C'est suivi, trait d'union, évaluation, c'est un concept qui a tendance à faire en sorte que le suivi et l'évaluation représentent le même, c'est un concept. Alors que nous avons au cours de notre présentation, n'est-ce pas, démontré que le suivi est différent de l'évaluation, mais que le suivi que c'est les informations tirées du suivi qui alimentent l'évaluation. Donc, ce sont deux concepts qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Et le concept de suivi, trait d'union, évaluation, on le voit souvent dans la littérature, mais il serait souhaitable, effectivement, de faire cette différence entre le suivi et l'évaluation, qui sont différents, mais qui sont complémentaires. N'est-ce pas? Je pense que... Comment est-ce qu'il y a un ministre? Bien dit. Allô? 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 Monsieur Guy Audrey Boango voudrait intervenir. Non. Allô, Monsieur Guy est parti. C'est monsieur. Monsieur Silla, s'il est là. Oui, je pense que les participants, il y a encore un petit moment pour donner la parole aux participants. Donc, pour tous ceux qui souhaitent intervenir directement, si vos préoccupations ne sont pas prises en compte à travers le chat, vous pouvez, au niveau de la fonction en bas de votre écran, cliquer sur « Participants ». Et quand les participants s'affichent, vous voyez la fonction « Lever la main » pour que l'on puisse vous accorder la parole pour poser une question de 2 à 3 minutes. Le formateur est là, tout disponible pour vous apporter les éclairages qu'il nous faut. Et à côté, il y a Mme Pendefal qui voudrait savoir est-ce qu'il y a un modèle standard avec des contenus ou indicateurs fixes à renseigner sur un plan de suivi et d'évaluation. M. Khan? Est-ce qu'il y a un modèle? Un modèle fixe, voilà, un modèle standard avec des contenus des indicateurs qui sont là et qu'il faut renseigner en termes de plan de suivi et d'évaluation. Alors, de modèle standard, je ne pense pas qu'il y ait de modèle standard. Et est-ce que c'est même souhaitable qu'il y ait un modèle standard dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le projet ou le programme est caractérisé par sa spécificité. Mm-hmm. Il y a donc ce modèle standard, je ne pense pas qu'il soit... c'est comme si c'était du... c'était un canevas qu'on élaborait et qui pouvait être renseigné selon le projet ou selon le programme. Il y a un certain nombre de variantes. Donc, comme tout canevas, il peut être... il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être ajoutés ou bien qui ne seraient pas utiles qui ne serait pas utile à renseigner selon la nature du projet. Quoi qu'il en soit,
un système peut être mis en place et maintenant de voir c'est du cas par cas comment ce guide, parce qu'il y a beaucoup de guides qui sont élaborés aujourd'hui. Donc comment ce guide peut être adapté? Et je pense que c'est un peu cette flexibilité, n'est-ce pas, que ce Canva pourrait avoir, que ce guide pourrait avoir pour voir dans quelle mesure il peut être adapté selon le projet qui est en cours. Alors, donc, c'est dire qu'il faut retenir que les plans de suivi et d'évaluation vont être plus ou moins conçus en fonction non seulement de l'envergure du projet, hein, ou programme, mais aussi du contexte également qui peut, véritablement, parce que nous sommes actuellement en contexte de COVID-19 et il faut s'adapter en fonction de ça. Voilà, donc, c'est dire donc qu'en général, les plans de suivi et évaluation doivent véritablement se conformer non seulement à l'envergure du projet, parce que là aussi, ça peut avoir des influences par rapport aux différents éléments à suivre et plus tard à évaluer, mais également sur le contexte. Alors, il y a notre collègue de RDC, M. Roger, alors qui nous interpelle sur est-ce que la mise en place d'un système de suivi et évaluation n'est pas conditionnée à un examen de l'état de préparation? Alors, il poursuit parce que pour lui, l'examen de l'état de préparation est un outil diagnostique qui permet de déterminer la position d'une organisation par rapport à la situation requise pour la mise en place d'un système de suivi et évaluation. Examen de l'état de préparation. Bon, il poursuit que c'est un outil diagnostique qui permet de déterminer la position d'une organisation. Qui permet de déterminer la position d'une organisation. Bon, en matière d'outils, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, pour chaque partenaire technique et financier, n'est-ce pas, on a vu des formulations diverses, n'est-ce pas, avec un vocabulaire différent qui voudrait dire la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, le ZOP, l'arbre des problèmes, l'arbre à problème, etc. Donc, vous voyez que ce sont des appellations différentes qui définissent en fait le même outil d'identification des problèmes. Donc, vous avez un peu donc un certain nombre de concepts ou d'outils qui sont proposés, qui sont appelés différemment. Et si on entre dans la... En fait, pour voir un peu en quoi consiste cet outil, on l'appelle autrement peut-être au niveau de notre partenaire. Alors, mais moi, je trouve que c'est la première fois que je prends connaissance de cet outil. Ok. Il y a M. Abdou Karim Lo qui veut revenir, qui lève la main. M. Lo, est-ce que vous avez des éléments à ajouter par rapport à ce que... Oui, je voudrais revenir pour renforcer la réponse qui a été donnée par le président et qui disait en fait qu'il n'existe pas de système standard. Effectivement, tout programme ou projet, compte tenu de son originalité, de sa spécificité, devrait élaborer son propre système de suivi-évaluation ou alors un guide de suivi-évaluation. Mais ce qui est peut-être commun à tous les programmes et projets, c'est qu'est-ce qu'on suit? Qu'est-ce qu'on suit? Je pense qu'à ce niveau, on peut dire que quand on met en place un système de suivi-évaluation, premièrement, on suit les résultats. On veut savoir quel est le niveau d'atteinte des résultats. Deuxièmement, on suit l'effectivité, la mise en œuvre des activités. Quelles sont les activités qui étaient planifiées, programmées et réalisées? Quelles sont les activités qui étaient programmées et non réalisées? Ou les activités réalisées et non programmées? Donc ça, c'est un aspect important à suivre. Troisièmement, il faut suivre l'exécution financière, l'exécution du budget. Ça aussi, ça fait partie du suivi. Quel est le taux d'exécution budgétaire à un moment donné? Quelles sont les activités réalisées pour pouvoir justement calculer l'efficience du programme? Ça aussi, c'est quelque chose que l'on suit, n'est-ce pas? On suit également
la mise en œuvre du plan de passation de marché. Parce que quand vous élaborez un projet programme, vous avez des dépenses à faire, vous préparez un plan de passation des marchés. Donc, quelles étaient la programmation, quel marché devait être, disons, lancé à telle période? Est-ce que ça a été lancé à la période? Est-ce qu'il y a eu une différence, etc. Donc, on suit l'exécution budgétaire, comme je le disais tout à l'heure. Donc, en fait, tout cela sont les éléments qu'il faut suivre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme. Maintenant, la façon de le faire et les informations, ça va différer d'un programme à un autre ou d'un projet à un autre. Mais généralement, on peut retrouver dans le suivi ces éléments qu'il faut du programme. Alors, pour... Il y a pas eu de quoi dans le management, des difficultés, etc., etc. pour pouvoir faire les changements nécessaires. Voilà peut-être une contribution que je voudrais faire. Alors, merci beaucoup, modérateur. Monsieur le modérateur? Oui. Oui, pour corroborer un peu ce que le doyen Abdelkarim vient de dire tout de suite, lorsque, par exemple, on consulte, par exemple, un rapport d'activité, dans la mesure où le rapport d'activité, il est destiné à faire le point sur l'évolution de l'exécution du projet. Il pourrait comporter un certain nombre d'informations qui sont relatives aux activités réalisé par rapport aux activités prévues, mais également aux activités non prévues et qui ont été réalisées et qui se sont avérées obligatoires et pertinentes. Donc, vous voyez qu'effectivement, quand on suit l'activité, effectivement, c'est au regard de ce qui avait été prévu, est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire sur le terrain? Or, sur le terrain également, on peut être confronté à une situation où il y a eu des activités non prévues qui se sont avérées indispensables et que nous avons réalisées et pour lesquelles, effectivement, il faudra expliquer qu'est-ce qui explique que ces activités n'aient pas été identifiées au préalable et qui se sont avérées, justifiées et qu'on a réalisées. Bon, ça c'est en dehors maintenant des autres difficultés qui sont rencontrées, n'est-ce pas, et des décisions qui sont prises pour y faire face, si tant est que cela relève de la responsabilité du gestionnaire du projet, auquel cas il sera dans l'obligation de se référer à son sujet. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Président. Je pense que, voilà, au fur et à mesure que l'on avance, c'est comme si on a encore goût au concept. Et je vois tout à l'heure Ndiaye Sarr Sylla, qu'on appelait tout à l'heure, qui a fait également une belle contribution sur le chat. Ndiaye Sarr Sylla est là? Oui, je suis là. Voilà, vous avez la parole. D'accord, j'avais déconnecté un instant. Ok. D'accord, là. Je m'en excuse. Voilà, okay. En fait, c'est plus des contributions qu'autre chose. Parce que, la qualité n'est pas des meilleures. Ah, bon, ça, c'est peut-être dû à la connexion. Je me rapproche. Ok. Du problème, peut-être aller mieux. Voilà, en fait, souvent, de suivi et évaluer. Facile d'utiliser. C'est deux aspects. Est-ce qu'on peut revenir sur M. Ndiaye Sarr Sylla dans une minute parce que la qualité de l'écoute n'est pas vraiment des meilleures. Et tout à l'heure, je pense que je peux lire peut-être ce que vous avez mis. L'élaboration d'un système de suivi et évaluation prend sa source
d'un cadre macro et se décline jusqu'au cadre mini et local. Exemple, partir des ODD au PSE, au cadre du bailleur, si c'est le cas, et etc. Allô? Oui, c'est la qualité qui n'est pas... Peut-être contribuer par écrit. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Alors, il y a Guy Audrey Mwango qui s'était présenté tout à l'heure. Est-ce que Guy veut prendre la parole? Allô? Allô, oui. Oui. Non, moi je n'ai pas de questions comme telles. Je voudrais simplement savoir si on ne peut pas nous avoir une copie de la présentation par mail. Oui, merci beaucoup. La présentation sera partagée après. Et merci okay. pour l'intérêt. Alors, merci. Merci beaucoup, Guy. Il est tout à fait intéressant également de revenir sur un aspect qui avait été posé, je pense, par un des participants pour nous interpeller, M. Kem, sur la différence entre le plan de suivi-évaluation et un système de suivi-évaluation. Alors, s'il est clair que le plan de suivi-évaluation, c'est un peu au niveau de la phase de conception. Alors, le système de suivi-évaluation est-il quelque chose qui peut être conçu comme étant différent de ce plan-là et par rapport donc à ce qu'il vient de dire? Alors, oui, c'est différent. Oui, Monsieur Yann. Il est évident, n'est-ce pas, que le plan de suivi et évaluation, c'est ce que vous comptez faire dans le déroulement du projet ou du programme, du point de vue de type de reporting, du point de vue de fréquence de reporting, du point de vue de timing, des dates, des évaluations, peut-être le type d'évaluation que vous allez favoriser, comme a dit Aziz, n'est-ce pas? Ça, c'est le planning, n'est-ce pas? Le système, comme au niveau d'un projet ou au niveau d'une organisation ou au niveau du pays, c'est le système. C'est le système, c'est-à-dire les attributions de responsabilité des uns et des autres, c'est le budget que vous mettez à disposition, c'est la capacité que vous devez promouvoir et mettre en place, c'est le contrôle de qualité que vous allez exercer, etc. Le système, c'est en quelque sorte, c'est la manière dans laquelle vous allez rendre opérationnel votre plan. Bien sûr, il y a une interface entre les deux, mais c'est ça un peu le différent, je dirais. Et j'insiste beaucoup sur le système. Il y a au niveau d'un programme ou un projet, comme on vient de dire, mais comme a dit le président d'honneur aussi, il y a des systèmes à tous les niveaux qui ont des niveaux de sophistication différents, qui ont des orientations un peu différentes quelquefois en fonction des buts, etc., en fonction des ressources disponibles, etc. Donc vraiment, c'est un sujet qui mérite encore des séminaires. Merci beaucoup, M. Yann. Je vois Fatou Diaw qui voudrait intervenir. Madame Fatou Diaw. Allô, Madame Fatou Diaw nous reçoit. Allô, Ibrahima. Oui. Il y a aussi Achille qui insiste sur sa question. Oui, relatif à la différence qui aurait existé entre un système de suivi évaluation, un dispositif de suivi évaluation et la matrice de planification du système de suivi évaluation. Oui, j'en avais parlé. Oui. Donc, peut-être que dans la réponse du président, on a un peu. Est-ce que le président peut ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il venait de dire par rapport à cette question? Allô? Oui. Allô, oui, vous pouvez dérouler. Allô?
Allô, oui, vous pouvez dérouler, Président. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit à 5 sur 5. Vous pouvez dérouler. Voilà, donc je disais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui était intervenu pour parler du plan d'évaluation et du système de sub-évaluation. Je pense que Yann a apporté la précision. Maintenant, en ce qui concerne le dispositif de suivi-évaluation et la matrice, est-ce que la matrice ne serait pas plus englobant que le dispositif qui peut-être aurait un caractère plus opérationnel que la matrice? C'est un peu cette lecture que je voudrais avoir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un problème de vocabulaire, mais si on réfléchit un peu à la définition qu'on pourrait donner du dispositif qui a peut-être une connotation plus opérationnelle qu'une matrice qui permet de dessiner le cadre dans lequel l'intervention met en place, disons, tout ce qui va être fait en matière de suivi et évaluation et que le dispositif soit spécifique au programme ou au projet. Merci beaucoup. Merci bien, Président. Je pense que cette fois-ci... oui. Allô, oui. Madame Fatou-Diak. Oui. Oui, allez-y. Après merci, vous, ce sera M. Seydi Ibrahim-Li. D'accord. Merci, M. Diouf. Je commencerai d'abord par féliciter M. Kan. J'ai déjà eu à bénéficier de son expertise lors d'un séminaire sur la planification stratégique et opérationnelle qui était financée par le PCE. Donc, je commencerai d'abord également par le féliciter donc, pour l'exposé qu'il vient de nous faire. Mais la question que je voudrais poser, c'est que tout à l'heure, il a dit que, par exemple, la conception du système de suivi évaluation, la mise en place doit se faire dès qu'on a conçu le document du projet, après cette étape. Mais nous, ce qu'on remarque dans la pratique, il y a d'abord la mise en place de l'équipe, ensuite on prépare les TDR, ensuite il y a tout un processus de sélection, et souvent ça prend beaucoup de temps, parce que nous sommes souvent confrontés à la lourdeur de nos processus. Maintenant, quand il dit qu'il faut le faire, moi, la question que je pose, qui doit le faire? Parce qu'après la conception, souvent l'équipe n'est pas en place. Maintenant, qui doit faire la mise en place du système de suivi évaluation? Merci. Merci beaucoup, madame. Je pense que le président a bien noté. S'il veut bien revenir sur cette question avant que M. Ibrahim Seydouli ne prenne la parole. Ou bien, est-ce que, président, tu veux remettre la parole d'abord à M. Li avant de revenir? M. Li est là toujours? Oui, donnez la parole, M. Li. Voilà. M. Li, vous avez la parole, vous pouvez intervenir. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour à vous. Voilà, merci beaucoup, président, pour votre belle prestation. Donc, on a appris énormément de choses. Et j'avais posé une question dans le chat, mais donc j'ai vu que ça n'a pas été répondu. Donc c'est pourquoi j'ai levé la main pour espérer une réponse. Voilà, donc c'était par rapport à la transversalité. Donc dans la phase d'exécution d'un programme, donc suivi évaluation. Alors puisqu'on parle de transversalité, pourquoi pas aller vers un système harmonisé? Et que ce système harmonisé puisse être adapté donc, au secteur d'activité. Donc là, c'est la première question. Donc pourquoi ne pas harmoniser pour adapter donc, au secteur d'activité? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la théorie du changement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer la théorie du changement comme un complément qui est venu un peu corriger ou encore renforcer donc les systèmes de suivi évaluation qui sont en place, parce que de plus en plus on parle d'études d'impact, donc l'impact, on s'intéresse de plus en plus à l'impact. Donc dans ce cas de figure là, je considère également que la théorie du changement comme étant effectivement un élément de transparence surtout, parce qu'on a vu beaucoup de plans, beaucoup de systèmes, mais donc je crois que quand on fait une évaluation, donc on veille de plus en plus à la transparence. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens s'intéressent de plus en plus à l'impact des programmes et des projets.
Donc, je vous remercie donc, et j'attends les réponses par rapport à ces deux questions. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci bien. Merci beaucoup, Michel Lee. Alors, Monsieur le Président, Madame Fatou Diack est revenue sur la question de la responsabilité par rapport à qui doit concevoir ce plan de suivi et évaluation. Et voilà que Monsieur Lee revient également sur la notion de la théorie du changement. Des éléments de réponse par rapport à ça? Pour donc Madame, je mets difficilement de nom sur les visages, mais effectivement j'ai eu à intervenir. Je pense que le PCE c'était un projet qui était financé par l'USAID, si ma mémoire est bonne. Alors, on sait que le système de suivi évaluation, lorsque l'équipe du projet recruté, il est censé trouver sur place, n'est-ce pas, disons un cadre qui a été conçu par le commanditaire, par la tutelle, pour dire voilà comment serait suivi et évalué le projet. Mais je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le suivi et l'évaluation ils sont adaptés, n'est-ce pas, et ajusté à la situation, n'est-ce pas, au contexte, et que c'est adapté tout au long du cycle de vie du projet. L'équipe d'exécution qui est mise en place pourrait effectivement prendre connaissance du système qui a été mis en place, mais peut-être que un certain nombre, peut-être qu'une révision pourrait être apportée. C'est comme le cadre logique initial qui a été élaboré au moment de la conception du projet et le cadre logique révisé au moment de la mise en œuvre du projet. Donc, je pense que ce sont des aspects de planification et on sait que la planification n'est pas statique, n'est-ce pas? Elle s'adapte par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport même à la lecture que l'équipe d'exécution du projet devrait avoir, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du projet au moment où, n'est-ce pas, la phase d'exécution va être déclenchée, n'est-ce pas, dès lors que les ressources sont effectivement disponibles pour que cette phase de conception prenne fin et qu'on entame la phase de mise en œuvre du projet. Donc, il y a certainement des réajustements, n'est-ce pas, des adaptations, n'est-ce pas, qui sont apportées. Les projets, les programmes fonctionnent dans un cadre très dynamique et les activités de suivi et d'évaluation devraient en principe s'adapter en conséquence. Donc, les objectifs peuvent changer, mais il y a certainement des évolutions, n'est-ce pas, qui font que le système de suivi évaluation pourrait effectivement, face aux problèmes, aux préoccupations qui surviennent, n'est-ce pas, faire l'objet, n'est-ce pas, d'une relecture ou bien d'une adaptation ou bien d'une mise à jour. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à Madame. Merci beaucoup. Fatou. Merci beaucoup. Fatou Diack Diaw. Fatou Diack Diaw. Alors. Merci beaucoup. Oui. Allez-y. Oui. Il y avait également M. Sebi qui parlait de la théorie du changement. Oui, oui, oui. En fait, il parle un peu, disons, quand on parle un peu quoi, de transversalité. De transversalité. Alors, une harmonisation, je ne sais pas est-ce qu'on peut parler d'harmonisation, mais quoi qu'il en soit, la théorie du changement, elle entre en droite ligne avec l'approche de la gestion axée sur les résultats. On se préoccupe beaucoup plus aujourd'hui de dire que les ressources mobilisées ont été transformées par des activités pour livrer des extrants, n'est-ce pas, dont les bénéficiaires vont en profiter et pour voir quel est l'impact, n'est-ce pas, de cette intervention.
par rapport au schéma initial. Effectivement, est-ce qu'on peut parler d'harmonisation? Il y a, quoi qu'il en soit, il y a une démarche aujourd'hui de la gestion axée sur le résultat, le développement, qui font que ce que nous faisons aujourd'hui, nous regardons d'ici la durée du projet et au-delà de la durée du projet, est-ce que les hypothèses qui ont prévalu au moment où nous concevons le projet ou le programme, ces hypothèses pour lesquelles nous estimons que s'ils se réalisent et si les bénéfices et si les bénéficiaires disons tirent profit, n'est-ce pas, tirent profit de l'utilisation, tirent profit de la mise à disposition des extrants, et que effectivement, si les conditions sont réunies, l'impact attendu pourra être obtenu, n'est-ce pas? Donc, harmonisation, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y a une démarche logique, n'est-ce pas? Il y a un modèle logique qui est élaboré et qui permet une projection sur ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi le faisons-nous? C'est en fonction d'hypothèses qui ont été élaborées au départ et pour lesquelles nous nous projetons en termes de résultats à moyen et à long terme. Donc, c'est une démarche. Est-ce qu'on peut parler d'harmonisation dans un contexte qui évolue, un contexte pour lequel des mutations profondes peuvent, n'est-ce pas, survenir à des moments où pratiquement il n'y a absolument aucune visibilité. Je ne sais pas si on peut parler d'harmonisation, mais quoi qu'il en soit, il y a un modèle qui est construit sur la base d'expériences qui ont été vécues, de leçons qui ont été tirées, de la mise en œuvre de projets et de programmes dans des secteurs donnés. Maintenant, est-ce que ce modèle, pour le moment, ce modèle, disons, il fait un peu son œuvre parce qu'il a été un peu accepté par les partenaires au développement aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers, mais ça, ont adopté ce modèle de gestion axée sur les résultats de développement. On peut parler d'harmonisation. Ce mot harmonisation me rappelle un peu les principes, n'est-ce pas, qui ont été acceptés, qui ont été élaborés à la conférence de Paris, n'est-ce pas, sur l'harmonisation de l'aide aux pays. Merci beaucoup, Président. Je pense que je ne sais pas si les participants éprouvent vraiment le même sentiment, parce que moi, je suis un peu partagé entre la pertinence des réponses au niveau oral et vraiment la profondeur de la discussion au niveau du chat. Et je vois que vraiment les échanges sont assez intéressants, mais qu'il y a Yaï Fagueifal qui, depuis un moment, a l'intention de nous donner un peu plus d'éléments par rapport à la question. Yaï Fagueifal est là? Oui, allô? Allô, oui, Yaï Fagueifal. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, cher membre de Sénéval. En fait, je voulais intervenir, ce n'est pas forcément pour poser une question, parce que les questions que j'ai vues sur le chat vraiment étaient très intéressantes et c'était des questions qui me concernaient, parce que moi aussi je me pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions par rapport, par exemple, à une formation pour plus de compréhension pour la matière. Mais mon intervention porte surtout sur une contribution, parler un peu de mon expérience, parce que nous aussi, au niveau de notre institution, on a eu à réfléchir sur un système de suivi évaluation qui était collé à un qui... En résumé, madame, en résumé... D'accord, j'y vais très vite, en fait. Qui était collé à un plan stratégique. Finalement, on a travaillé sur un logiciel, iProject, qu'on a connecté avec la comptabilité, et on a défini là-bas les indicateurs et tout. Après, la machine sur laquelle on a travaillé est tombée en panne. On n'a pas pu connecter les deux réseaux. Le temps de retrouver tout ce qu'on a saisi là, on a perdu. Finalement,
c'est compliqué en fait. Je voulais dire par exemple que quand la théorie et la pratique, il y a une grande difficulté dans la mise en œuvre parce qu'il faut associer plusieurs personnes, c'est dans la durée en fait. Ce sont des questions de moyens, des questions d'expertise, en fait, d'expérience. Beaucoup de problèmes en même temps, en fait. C'est juste ce que j'aimerais ajouter comme contribution. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'avoue que c'est une session qui vient à son heure. On ne finit jamais de se former. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre appréciation. Je pense qu'on est arrivé vraiment à la fin un peu de cette session. Nous sentons tous que nous n'avons pas épuisé vraiment tous les contours de la question, mais que cette nouvelle est là. Et un appel vibrant a été déjà fait par le président d'honneur, M. Yann Oboud, pour demander à tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits à Sénéval de le faire, parce que Sénéval, c'est cette plateforme d'échange, de renforcement de capacité et de promotion de l'évaluation. Donc, vous y êtes bienvenus et vraiment, nous comptons sur vous. Nous comptons surtout sur les ressources qui, aujourd'hui, ont bien voulu participer à cette activité pour renforcer les capacités, surtout des jeunes évaluateurs. Et là, véritablement, nous disons à tous merci, mais un cachet assez spécial est réservé au président M. Abdelaziz Akkan. Nous savons que votre agenda est vraiment serré, mais que vous avez accepté de vous plier à la volonté du groupe thématique évaluateur émergent. À la dictature du groupe thématique. Voilà. Donc, pour venir vraiment accompagner les évaluateurs émergents et les praticiens de l'évaluation de façon générale, nous nous sommes rendus compte que véritablement, les participants ont répondu massivement. Et je dis bonjour à tout le monde, à l'équipe technique, le groupe thématique évaluateur émergent, chacun en sa responsabilité. Vous avez abattu un travail extraordinaire. Félicitations. Merci à Fatou Ndiaye, je ne cesse de le dire. Et au président d'honneur, à M. Yann Oboud, M. Abdou Karim Lo, merci bien, merci. Je pense que... Oui. Oui, avant de se quitter, j'aimerais juste lancer le questionnaire d'évaluation. Très bien, allez-y. Allez-y. Donc, il y a un questionnaire qui doit être lancé et qui vous prendra peut-être quelques secondes voilà, pour apprécier la session. On aurait peut-être dû l'annoncer un peu. Plus pour voir vraiment la qualité de cette formation. Et si on... Alors, M. Kane, est-ce que vous voulez encore dire quelque chose? Oui, je voulais... Merci Ibrahim. Je voudrais vraiment remercier le groupe thématique évaluateur émergent. Je rappelle que les groupes thématiques sont le bras armé de l'Association sénégalaise d'évaluation. Parce que nous avons une diversité de membres individuels, institutionnels, qui interviennent dans des domaines d'activité qui sont divers. Et je pense que les groupes thématiques qui aujourd'hui sont opérationnels, n'est-ce pas, constituent une opportunité pour Sénéval de remplir sa fonction de plateforme d'échange, de partage de connaissances et d'expériences pour la promotion de la culture et de la pratique de l'évaluation. Je voudrais sincèrement remercier tous les participants qui ont répondu à cette invitation et qui ont apporté vraiment des contributions extrêmement importantes et très intéressantes et très constructives. Je voudrais vraiment leur dire au nom de l'association sénégalaise, n'est-ce pas, notre profonde et sincère gratitude. Pour les participants qui n'ont pas encore adhéré à Sénéval, je les exhorte à venir renforcer notre membership et de faire de Sénéval leur outil de promotion de la culture de l'évaluation dans leur domaine d'intervention. Merci à Yann, merci à Abdou Karim, merci à Ibrahima, et merci également à Lamine qui est derrière le rideau et qui a apporté une assistance technique pendant toute cette semaine, même avant la semaine dans le cadre de la préparation de ces différents.
Merci beaucoup. Voilà, la même chose. Aziz, Ibrahima, je peux juste dire un mot que au nom des enfants et des jeunes qui représentent moitié de la population et qui vont fêter la journée de l'enfant africaine le 16 juin, le groupe thématique Évaluation enfance-jeunesse ouvre ses bras. Et si ça vous intéresse, les questions de l'enfance et la jeunesse, envoyez un message à la MINDIOP aussi et on va vous embarquer dans le groupe thématique, le bras armé, comme dit Aziz, d'évaluation enfance-jeunesse. Donc, une petite pub pour compléter l'action des autres groupes thématiques. Merci. Merci beaucoup, M. Yann, merci. Pour le compte des enfants. Hein? Donc, c'est comme si vraiment c'est les enfants sont sa force. Alors, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure à M. le Président que la ville fait partie de notre équipe technique. Hein? Donc, Ah, ok. Voilà, je le confonds bon. Dans les félicitations et les remerciements. Oui, Lamine fait partie de votre équipe technique, mais Lamine est également le secrétaire permanent. Je ne sais pas maintenant qui doit tirer la couverture sur l'autre. Voilà. Thématique qui vous intéresse. En tout cas, le groupe thématique est là pour vous. Et voilà, vous y êtes bienvenus. Et à chaque fois, nous allons essayer de prendre en compte vos préoccupations. Je dis bonjour également à ma collègue, la co-coordonnatrice du groupe thématique évaluateur émergent, Madame Kewe Kan, qui aujourd'hui, peut-être que Kewe voudrait peut-être dire le mot de la fin. Non, c'est bon, Ibrahima. Oui. Non, pour la modération, je te laisse la main à 100%. Aujourd'hui, j'ai une élection. Tout ce que dit Abdou.